Avant de continuer avec le deuxième épisode de la série Sophie et Pat au Japon, laissez-moi un petit like, subscribe à mon channel et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer la suite de mes aventures! Ok, la vidéo d'aujourd'hui va se faire en deux parties. La première partie, la journée de Nagoya, va se faire en voie hors champ parce que... comme une patate, j'ai réalisé bien trop tard qu'elle fait pas de son sur toutes mes vidéos. Good job, Camille. Mais la deuxième partie va se faire en vlog régulier. Parfait! Avec tout ça clarifié, commençons la journée! Dimanche matin, deuxième journée de nos aventures, ma petite sœur Sophie D'Amour et son copain Patrick sont épuisés par le décalage horaire et leur soirée tardive. Mais l'adrénaline créée devant une journée pleine d'aventures leur donne assez d'énergie pour mettre un pied devant l'autre. On embarque dans le Shinkansen, le train rapide, et on se dirige vers Nagoya! Bye bye Tokyo! Avant de partir, on s'était pris des bento, des boîtes lunch. Si vous venez au Japon, je vous recommande fortement de vous acheter un bento avant d'embarquer dans votre Shinkansen. Il y a toujours plein de magasins qui en vendent dans les gares et ils sont toujours très délicieux. Ou, si vous avez fêté trop fort la veille comme Patou, un bon petit sandwich va faire la job. Le Shinkansen, c'est vraiment la meilleure façon de se déplacer au Japon. C'est rapide, confortable et ça vous permet de voir de beaux paysages entre les grandes villes. En plus, si vous voyagez de Tokyo direction Nagoya, Kyoto, Osaka, essayez de vous asseoir du côté droit, à côté de la fenêtre pour avoir un petit clin d'œil de Fuji-san si le ciel est dégagé, bien sûr. C'était vraiment drôle d'être à Nagoya avec Sophie et Patou. Nagoya, c'est un peu ma hometown. C'est la plus grande ville près de chez nous, à même pas 20 minutes de train. Donc, mettons que je me retrouve pas mal souvent là-bas. On fait nos touristes en se dirigeant tranquillement vers le château de Nagoya. Ce dernier couvre quand même une grande surface. Je recommande d'arriver à la station Nagoya-jo pour pouvoir prendre votre photo devant le At Nagoya. Ensuite, vous pouvez marcher jusqu'à l'entrée est du château en traversant une allée de petits restaurants qui servent plein de petits bons snacks. Nous étions chanceux car la saison des wisteria vient tout juste de commencer et nous avons pu admirer ces jolies fleurs avant d'aller voir le château. Si vous voulez un tour plus en détail du château de Nagoya, allez voir mon vidéo sur le château de Nagoya que j'ai faite l'an dernier durant les Sakura. Après cette belle visite, j'amène Sophie et Pat à ma station préférée, la station Sakae. C'est vraiment vraiment cool comme endroit. Il y a une grosse structure surélevée avec de l'eau par-dessus. C'est vraiment intéressant comme structure. Pas très loin, il y a une genre de tour inspirée clairement de la tour Eiffel. Le tout entouré de petits magasins et restaurants super chouettes. C'est vraiment agréable comme vibe. Encore plus extra, si vous passez la nuit, tout est illuminé de lumière, c'est vraiment beau. Wow! Dernier petit stop avant de quitter Nagoya, c'est le Planétarium! Savez-vous que le Planétarium de Nagoya est le plus grand au monde? What? Wow! La structure extérieure est super impressionnante. Malheureusement, notre horaire chargé ne nous a pas permis de nous arrêter au Planétarium. Mais je recommande fortement d'y aller si vous avez le temps à votre passage à Nagoya. Je crois que les choses sont juste en japonais, pas sûr, mais c'est pas grave, c'est vraiment full impressionnant d'être assis à l'intérieur. C'est un peu comme le Planétarium de Montréal où est-ce que tu t'assois sur un gros divan puis que tu chilles pendant comme quelques minutes puis tu regardes les étoiles, c'est vraiment beau.
C'est un peu le même principe. Même si tout le show est en japonais, c'est pas grave, c'est full le fun de s'asseoir, de relaxer et de voir les étoiles. Bon matin! Ohayo! Ohayo gozaimasu! Ohayo gozaimasu! Good morning, good morning! On se réveille, on était à Osaka. On est arrivé hier. On est hier. C'était rough hier, on était fatigués. Grosse journée. Grosse journée hier. On est parti de Tokyo. On a fait trois villes. Trois villes hier. On a pris le Shinkansen. Ouais. On s'est organisé à la gare. Was problematic, but we did it. We did it. On s'est pris des petites bento box, ça c'était le fun. Puis quand on est parti de Nagoya, on a pris un autre Shinkansen. Là, on commence à être un petit peu plus habitué. Quoi que c'était moins pire la gare de Nagoya que de Tokyo. Ouais, mais 100%. It was still big. Yes. Oui, fait que là, on va explorer Osaka aujourd'hui. Allons-y, les amis! Only in Japan! Only in Japan! On est en haut de la tour du château d'Osaka. Après avoir visité le château, on s'arrête pour une petite bouchée. Tu vois-tu la couleur changer en real time? C'est vraiment nice. Là. Ça, je vais voir ce clip-là, aimé. Sauce. Oh my god, je suis vraiment hype d'écouter mon premier vraiment affaire de même comme ça. Vraiment hype. Arigato gozaimasu. Est-ce qu'il y en a un qui est comme conseillé à prendre en premier ou? Pas vraiment. Ah, oh, tu sais, un petit morceau comme juste du thé, j'en sais pas. Moi, ouais, juste la viande, moi, je suis d'accord. C'est un bon soir pour là. Que là, chez lui, vas-y. En premier, tout d'une shot comme si Camille, je suis allé le prendre comme. Vas-y, vas-y, ouais, vas-y, go. Oh, bien fait ça. C'est bon? C'est nice. T'as pris que. Le wasabi merge vraiment mieux que je pensais. Je pensais que ça allait être trop intense, mais turns out que ça étale le goût d'une façon différente. C'est bon? Vraiment. Après cette petite collation, notre SMA commence à se faire entendre. Nous allons donc au marché de Kuromon pour manger plein de street food. Plein de nourriture fraîche. Oui! Ça dans un petit market avant qu'on ait mangé parce que là on a faim. J'ai faim en tout cas. Moi aussi j'ai faim. On a faim. On s'en va manger en masse. On va manger toute la bouffe. Avant de manger toute notre street food, j'amène Sophie et Pat à un resto très populaire au Japon. Kokokuri! Oui! Ok, nous sommes finalement à Coco Curry. Comment qu'on sent les amis? Coco Curry. Bon. On a faim, on est affamés, mal au ventre, ça va être bon. On a vraiment faim. Fait que là, on va. C'est la première expérience de curry japonais. Non! Moi, j'en ai déjà mangé. Ah, c'est vrai, à Montréal. C'est vrai. Mais au Japon, c'est la première expérience japonaise. Exactement. Puis là, on est à Coco Curry, qui est la chaîne parfaite pour ça. Très authentique. Excellent. Fait que là, on va manger ça, puis après, on va retourner au marché, puis on va manger plein d'autres affaires. Fait que là, on share une assiette pour être efficace, puis pour pas trop manger. Parce que c'est très filling. Très dense. Wow! Regardez-moi cette belle assiette luxurieuse! Alors ici, nous avons un curry
aux légumes avec un extra de saucisse et d'escalope de porc. C'était délicieux, en lécher le fond de l'assiette. Délicieux. Vraiment, mes attentes étaient quand même assez élevées. Ça l'a 100% répondu à mes enfants, puis même au-delà. Vraiment excellent recommandation de Camisane, 10 sur 10. Je suis pas un gars de curry vraiment, mais ça donne le coup de l'œuf. Yeah, je suis vraiment contente qu'ils ont aimé ça. C'est vraiment bon là. Après cette petite entrée de curry javanais, nous retournons au marché pour manger encore plus de street food. Street food, street food, street food. Ok, alors là, c'est la deuxième fois qu'on essaye. C'est la première fois qu'on essaye des sea urchins. J'ai hâte d'essayer ça encore une fois. C'est une délicatesse au Japon. Fait qu'il faut que j'aime ça. Là. Faut que j'aime ça. Faut que j'aime ça. Partout, il y a son saumon finalement. Nice. Il y a Happy Boy. Vraiment down. Happy Boy. Vraiment down. Happy Boy. Happy Girl. Happy Girl. Everyone is happy, happy, happy. Il est très nerd. Très nerd. Mais c'est une bonne chose à dire, c'est très long. Ok, là, je vais essayer. Je vais essayer sans sauce. Ok. Ça a l'air deg. Ça a l'air deg. Ok, let's go, let's go. On essaie ça. Pas de jugement, pas de jugement. Ok, go. C'est bon? C'est mieux que je me rappelais. C'est mieux que bon? Je me rappelais. Ah ouais? C'est comme quasiment bon. Une coupe de trial, puis je pense que ça va être dans mes prêts. Ça goûte un peu, là, tu sais, quand tu manges des mussels, la partie jaune, orange, genre, ouais. des moules. Des moules, c'est ça que ça goûte. Ok. Tu veux essayer, Fatou? Essaye avant de finir ton saumon. Ouais, okay, c'est sinon, ça que je prends. Non, mais genre, non, prends-en là, c'est dingue, tu vas voir, te rincer la bouche. Ok, je vais prendre la moitié d'un là. Prends ça. Cette partie-là? Ouais. Pas celle-là? Ça, c'est un mini. Un mini. Ok, comme ça. Ouais, vas-y. Attends, faut que je le sens faire. Vas-y. C'est vraiment pas si pire. La partie que j'ai prise était vraiment smooth. Ouais. Genre ça fondait, donc genre j'ai pas eu de texture, mais j'ai eu zéro texture, c'est comme quasiment du jus, donc c'était nice. Puis le goût il est pas weird, genre il est pas vraiment de goût, il est relativement neutre le goût. Donc la partie que j'ai pris était mangeable, bon. Mais moi ce que je suis intrigué, c'est pas ça. C'est encore plus doux, ok, oh ok, ça fond là. Ça fond, c'est comme un peu comme du bar. Ok, je me sens pour le vrai là, genre je me sens comme un real au Japon. Vas-y, let's go, on a pas juste un real là. Ok, je vais. Ça se mange. Mangeable, honnêtement. C'est mangeable. Le verdict, c'est qu'on aime ça. Les oursins, c'est bon, let's go. Je pense que ça se dit. Yay! Je suis full contente d'avoir aimé ça, les oursins. Puis regardez, la place où on est allé sont super frais. Le serveur les ouvre directement avant que tu les manges. Rien de plus frais. Délicieux. Je recommande. Essayez ça, les oursins. Ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment bon. OK, street food suivant. Patrick se paie la traite avec une belle brochette de bœuf japonais. A5 cut. C'est vraiment fondant, vraiment. C'est bœuf au beurre. Ça, t'as fait avec du genre, c'est genre un peu comme ça ou c'est dans un resto? Je pense que c'est un petit peu moins bon que ça. Ah ouais? Ok. Louis-Charles is missing out. Qui pas tout? Bœuf au beurre. C'est insane. Tu dis comment il n'y a pas de beurre là-dedans, mais c'est du beurre genre. C'est tout le gras, le marqué. Du côté salé naturellement qui sort comme juste à la plaque, comment qu'elle est. Ouais. Puis le petit côté gras circulant à l'intérieur, oh, vraiment. Oh mon dieu, ça fond dans la bouche. À quel point c'est ton top 1 de viande de bœuf que t'as mangé dans ta vie? Fait, l'affaire est excellent. Ouais. Je suis content d'avoir du cancer. Je pense que si je prends juste une pièce là, ça serait tellement gras que j'aurais de la difficulté à prendre. Qui donne tout le temps, c'est des petits. Ouais. Mais je suis down de ça, c'est parfait, parfait, parfait. C'est vraiment une expérience. On aime ça. Yeah. On vient de se prendre deux Ichigo Daifuku avec du red bean paste. Ça va être excellent. Let's go. Cheers. Moi, je prends ça. Je vais prendre une grosse bouchée. On a pas de bonne balle. Ah ouais, est-ce comme légèrement carrément? Non, elle est juste comme tellement savoureuse. Mm. C'est on a une bonne base que là.
On dirait parce que t'as touché le vin. Attends, sinon je fais ça, je crois pas que j'ai le vin. Le vin, c'est tout en même temps, là. Non, drôle. Je vais prendre tout en même temps, c'est top. Le jus de la fraise avec le mochi, là, c'est excellent. Ouais, important. Avec le green paste, là. C'est genre juste un petit peu sucré, mais comme pas trop, là. C'est vraiment parfait. Ouais, vraiment. Mais la fraise, c'est une scène, on se le dit juste à la base. Et là, j'aperçois une gacha machine qui me crie « Camille, achète-moi, achète-moi! » Pas le choix, on s'arrête. Sakura! Ouais? Yay! Ouais, moi, je m'en rendais. J'ai l'impression que c'est comme assez. Qu'est-ce que j'ai? C'est parce que c'est une gana. Ah ouais, exact. Oh, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que toi, t'as-tu le match? Yes! T'as exactement ce que tu demandais? Celui-là. Nice! Yes! Yo, c'est le best one! Oh my god, je suis vraiment contente, c'est tellement cute! On est contents! J'ai pensé qu'avec ces choses-là, parce que tu peux juste l'ouvrir, prendre ton bassin, puis remettre ta bouboule dedans. Ah! On essaie avec une plus belle ou peut-être. On continue nos aventures d'Osaka à Dontonbori! Pour le là, let's go Patou! And then I shoot right there. Oh! Ah, fait tomber, let's go Patou! Hey, go le chocolat là! Malheureusement, Patou n'a rien gagné. Pas grave, parce qu'il gagne le prix sans égal d'une expérience inoubliable. On ne peut pas aller à Osaka sans manger des takoyaki vraiment classiques. Là, j'attends pour pas me brûler la bouche parce que c'est tout le temps de la lave. Merci du conseil, Camille. J'ai quand même entendu 10 minutes, puis comme de fait, je me suis brûlé la bouche à chaque fois, je me brûle la bouche. On est en train de passer le pont de Dontonbori, le famous bridge. Veux-tu faire? Hi! Veux-tu faire la... Nice! On se promène ensuite dans les immenses centres d'achat aux alentours de Dontonbori. On s'arrête dans le magasin suivant. Pour vrai, on achète le fameux gâteau soufflé au fromage japonais Rikuro! Ça gigote tellement, c'est tellement drôle. C'est pas vraiment un plat, ça. Ouais. Tu prends des petites marques sur le top, un petit genre. Oui, c'est la petite marque. C'est cute. On finit la journée dans un bar vraiment cool. Okay. Oh my god, je vais pleurer. Hi! Pretty bottle, yes, very pretty. Oh, c'est le secret.
Vraiment trop chouette pour terminer notre journée épique à Osaka. Les cocktails étaient vraiment délicieux, en plus d'être hyper beaux. Ok tout le monde, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça résume nos journées à Nagoya et à Osaka. Restez avec moi pour le reste des aventures Sophie et Pat au Japon, où est-ce qu'on va continuer d'explorer Osaka, on va aller voir Nara et finalement Kyoto. Alors, si vous n'avez pas déjà fait, Likez la vidéo. Tout de suite! Bah! Likez la vidéo, subscribe à mon channel, hit la petite cloche pour être avec moi tout au long de nos aventures au Japon! Ouh.